Bonjour à tous d'abord, bienvenue, merci d'être présent. Depuis que j'ai repris la Côte d'Ivoire, malheureusement nous avons toujours beaucoup de problèmes, de blessures ou de joueurs qui ne peuvent pas venir pour telle ou telle raison. Donc c'est encore le cas aujourd'hui, donc dans les deux dernières sélections que j'ai fait, donc parce que je suis là depuis le mois d'avril, c'est chaque fois 2 fois 10 jours. On a eu énormément de joueurs qui étaient blessés ou qui n'ont pas su répondre présent. Donc je vais vous d'abord, avant d'avoir vos questions, que je vais répondre très gentiment, il y a une liste de blessés actuellement que je vais vous donner. Wilfried Zaha, blessé au genou, et pour le deuxième match du Maroc, sera très incertain, ça dépendra de l'évolution. Nous avons une mauvaise nouvelle en ce qui concerne Seydou Doumbia, qui a une déchirure du tendon, avec un minimum de 2 mois. Sans football. Nous avons Max Gradel qui s'est refait mal à l'ischio, donc la blessure qu'il avait encourue contre le Gabon le deuxième match. Tout se passait bien et il y a 4-5 jours, il s'est de nouveau ressenti une douleur en glissant sur le ballon. Donc voilà, ça c'est indéterminé. Wilfried Bonny a passé hier une IRM, donc quand il est venu le plus vite possible en Côte d'Ivoire. Grâce au docteur Enda, nous avons pu avoir 2 imageries pour ce qui concerne Gervinho et son genou qui est out, qui ne sera pas présent pour le match au Mali. Wilfried Bonny est normalement aussi out, mais comme c'est un profil que je n'ai pas, on va le garder dans notre et espérer que notre staff médical réalise des miracles pour qu'il puisse être présent. Un coup de téléphone hier, Adama Traoré a une lésion musculaire au niveau de l'adducteur. Sera 10 jours au repos. Ça s'est passé hier. Il avait déjà une douleur, il a fait une accélération et il est blessé, donc il ne sera pas présent. Jean-Michel Seri, qui avait des problèmes à l'ischio, qui n'avait pas joué jeudi en Europa League, hier s'est refait mal à la cuisse, qu'il avait déjà des problèmes. Donc il est out pour 10 jours. Maïga, qui je suivais, à Saint-Étienne, on a reçu un fax de Saint-Étienne qu'il est blessé. Il n'avait plus joué depuis le 16 du 9 contre Dijon. Voilà, ça c'est pour les joueurs qui ne sont pas disponibles. Voilà, et moi je vous réponds, on fera avec et on ira avec une équipe solide.